can produce about I can looking for coal or something like that. Eating with me. Welcome back, guys. In the last episode, I hitchhiked from Misku Island, but unfortunately, my journey was cut short because of an infected toe. I couldn't finish my hike then, but now I'm back and ready to continue my way to Montreal. خب دوستان، اینجا روستای تاریخی آکادیان ها هستش. بریم داخل ببینیم چه اطلاعات خوبی میتونیم از تاریخ مردمان این منطقه به دست بیاریم. از قبل شنیدم فوق العاده قشنگه دیگه. تو مسیر 1200 کیلومتر به سمت مونترال داریم اینجا رو سر میزنیم. بریم ببینیم چه خبره. خوش آمدید. حالا نزدیک 17 کیلومتر اومدیم تا برسیم به روستای تاریخی آکادیان ها. ورودیشه. بریم ببینیم چه خبره داخلش. Thank you. And the bracelet is good for a second visit if you keep it on your arm. Uh-huh. So there is the map. Thank you. And when you're ready, is the arrest over there. Thank you so much. Thank you. Thank you. But before I hit the trail again, I took a step back in time at the village historic Acadian in New Brunswick. This place is like a time machine. When I visited, I felt lost in time and traveled back 200 years. As I walked along the 2.2 kilometer trail, I saw around 40 old buildings. Each one showed how Acadian lives from 1770 to 1949. The people here wore old-fashioned clothes and spoke both English and French. They showed us how Acadians worked, played, and lived every day. The Canadians are people from France who settled in Canada around the 1600s. They lived peacefully, farming and enjoying their French customs. In the mid-1700s, the British forced them to leave their homes in an event called the Great Expulsion. Many Acadians moved to places like Louisiana, where they became known as Cajuns. Some later returned to Canada and rebuilt their lives. Today, their culture is still celebrated, especially in places like the Village Historic Acadians in New Brunswick. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils faisaient pour manger? Ils se faisaient-tu des jardins? Là, ici, on avait un jardin à côté. Okay. On a toute la poisson de la rivière, toute la viande sauvage aussi. Okay. Oh, ça, on aurait pu manger là, toute la viande qu'on voulait. Puis ici, ben, on n'est pas encore dans le sel non plus pour saler le manger. Ça fait, on va juste la faire sécher ou la faire boucaner, comme les Amérindiens faisaient. Oui, pour le servir, pour le conserver. Oui, oui. Mm-hmm. Ouais. Tout était fumé ou boucané ou séché. C'est ça. Oui, c'est bon. Ouais. C'est... Ouais. Et est-ce que vous cultiviez des légumes comme des patates? Ici, j'aurais eu les patates, les navots, le chou, les oignons, des fèves, puis qu'on fait sécher par des beans pour l'hiver, le poids dans les deux. Puis j'aurais eu des...
Imagine seeing a blacksmith making tools like they did long ago, or smelling fresh bread baking in a traditional kitchen. Everything looked and felt just like the past. The people here made history come alive. They told funny, happy, and sometimes sad stories about the Acadians. It felt real and human, not just old history. Hello. That's a house we got in Masrel Settlement, which is the same place as Mr. Martin, but on the other side of the river, and 75 years ago. Okay. We notice there's a wooden floor now. Well, Mr. Martin has a dirt floor. That's the only one you're going to see on the site. Okay. It's because his house is the oldest house. Yes, after that they added wood floors. And in here there's 12 people that live here. Okay. And there's one bed. Usually the bed was for the parents, but here the grandparents live with them. Oh, so the grandparents got the bed. Of course. So the parents and the children will sleep on the floor on straw mattresses. There's stairs? Is there an upstairs? There's a stair, but it's not it's not livable yet because it's not insulated. Oh. It's much too hot in the summer and too cold in the winter. Okay. So it's just a driveway. Not this one, but later on you will. Some houses you can. This one you can, but you will. I really like the hat. Very nice. She's very good. Yeah. She made them for they had Pioneer Day at their school. Okay. So then she got hats. I figured it's nice to block the sun. Yeah. I tried sunglasses, but then I can't see inside the houses. So even the glasses are not too good. Yeah. Very steep. Boarded up. It is boarded. But they would have had it open, they would drive rain stuff. They would have some houses you could go up. Okay. Because by the time you go further down, there's going to be a bedroom upstairs. Right. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very You're much. Welcome. Have a nice visit. Thank you so much.
As I walked through the village and filmed it, I felt like I was really here 200 years ago. It was amazing and felt like living in a different time. In here, in 1890, we would not smoke it. Not here. We would solve here. Probably some house in some region would do that, but here we would not use it. So we will solve everything. That's how they preserve the fish and then we will solve it. The salt is really important in that time. Okay. It's really useful to keep kind of food. Like the Normans also used salt. Oh, yeah? Okay. I didn't yeah. That. Okay. Yes, I see. You like history. That's nice. Thank you so have much. Have a nice day. Thank you. Hello. Bonjour, monsieur, ça va bien? Do you speak French, no, English? No, English. Well, welcome. Thank you so much. You're in the goddess house here. 1890 in here. 1890. Yes. It's great. We're in Maisonet, New Brunswick. This house is really a small village, really close from here. And in here, the man was a fisherman, but he was also farming like most of those men at that time. They needed to have a farm so they can get vegetable, the animal on the farm, so to get themselves to have something on the table, you know? Yeah. So, but in here, he was happy because he was having 7 boys. So he could fish all summer long and the boy will take care of the farm. So it will be really helpful for him. So, and he will sell his fish to Mr. Robin, the neighbor here, and receive some coupon after that. They will exchange the fish coupons that we could buy in their store. All kinds of things like dishes, like here, uh-huh. The Hong Kong dishes, and the clock just behind you would be by with the coupons that you received. So it will be the way that they will be going there. They were still kind of exchanging thing at that time. The money, like we know today, it's not really there yet. Yeah. It will come later on. Yeah. I'll just put some wood in my stove because I have to wash my iron cast. Uh-huh. So just make sure, make them all clean. We're just finishing it. A meal of pot-en-pot, beef pot-en-pot. And it's potato, onions, beef. I had 2 men that was eating with me. And we finished that with a cup of tea and a slice of bread with molasses. Yeah. No sweetness today. Yeah. We're too busy to do sweetness. We'll keep that for tomorrow, Sunday. Sunday? Yes. Thank you. You're welcome. Thank you.
aussi. Écoute, avec les connaissances qu'on a de Malais, on s'installe, puis on est chez nous dans pas de temps. Ben oui. On pêche, et puis on peut faire de la culture. Ça, c'est dans quelles années, ça? Que ça allait bien, là? Comment c'est des années sans vrai? Ben, on a commencé à apporter des familles venant s'installer fin des années 1630. OK. Donc, ça faisait 100 quelques années qu'on était ici, là. Okay. Ouais. Okay. Puis, au début des années 1700, ça a été donné aux Anglais, le traité d'Utrecht. Ouais. On est appartenu. Puis, on était comme laissé tranquille. À un moment donné, ils demandaient l'allégeance et tout ça. Ouais. Mais c'est ça qu'après ça, ça s'est détérioré, ouais. Des refus. Puis on est ici, commencé avant, on a commencé à venir ici. Début 1600, 1608, mais c'était juste pas pour installer des familles. Okay. On venait, puis on faisait des échanges. Mais ça, c'est beaucoup, là, comme ça. Okay. S'installer, là. Faisait des Now, with this enriching experience behind me, I'm more inspired than ever to continue my journey to Montreal. I hope you enjoyed this video tour of the Village Historic Acadien. It's fun, interesting, and full of life. Let's get lost in time together before we hit the trail again.
De l'huile Crisco, ça n'est pas du beurre, c'est du sel. Pour le graisser. Pour le graisser. Partout sur l'extérieur. Sur l'extérieur. C'est du gras. C'est du gras que ta grand-mère faisait ses pâtés avec, non, puis c'est son père. Hein. C'est ça. Ça se vend au bloc. Mais les étagères, ça se vend maintenant, ça va être dans toutes les maisons. Ouais, c'est cool. Non, dans tous les magasins. Tu mets juste un petit de l'eau bouillante, là, tu peux faire bouillir aussi. Puis tu laves avec de l'eau et du soda avec une guenille rude. Yeah. Thank you. Yeah. The Doucette house, this one. Sorry. Mr. Romain Doucette built a house in Bathurst. Yeah. So they had 8 kids in this house. 8 kids? 8 kids, 4 boys and 4 girls. Oh, great. Yeah. So Mr. Doucette built a house in 1840. Yeah. He got married, they had their family. And we interpret the house in 1860. Because it took him 20 years to finish the inside of the house looking like this. So he was a farmer, but also a very good carpenter. So he worked a lot in the English families, so they were a lot fancier, a lot richer. So that gave him idea how to finish his house. That's why the house is so different here. Thank you so much. Yeah. Thank you.
tu l'as fait, c'est pas de ma faute. Thank you, have a nice time, bye-bye. Bye-bye. During winter, we will take the big pond that is down there with the little on dit des pattes in French, the little thing like that. How do you call that in English? Little legs. Little legs on the pot. Yeah. So that way, when you put it on the oven, it won't burn under. And you can the cover. We have something that you could put the ashes in. That's why the triangle wall all around. So we put the red coals on the top. So you can cook the top and cook under. Okay. Ici, vous êtes à la même enseigne. J'aime ça quand tu dis français parce que je peux trouver mes mots plus facilement. C'est pas mal plus facile. Oui, c'est ça. Ici, vous êtes à la maison Cire. Notre maison à date de 1830 à peu près. Nous autres, on est. Sorry, I cannot take French. Why?
looking for gold or something like that. Sorry? I think you were looking for gold or something like that. No? No. No, no, it's not that. Okay. Because I don't know those things. Bonjour, hello. Français, anglais? Non, anglais. En anglais? Anglais, yeah, oh, English. Perfect. Yeah. It's fine, yeah. So, we start with the Eastern White Cedar because it's a species that is it's not prone to rot. So that's why we use it. We tried different species, but they were rotting prematurely. So that, on the roofs, it can last about 50 years. Wow. Yes, and on walls, it could last about 100 years. Mm. Yes. So Eastern white cedar grow on swampy area. So they grow very, very slow. If you see the all the rings that you see, it's 1 year of growth. Oh. Okay. So that tree could have easily 300 years. So it's a species that grow very slow and they can grow very large. So the way I start, I will have this a mallet, and this is a frow. A frow, it's a cutting hacks, and what you do, you hammer it until you split your log in four pieces, okay? Uh-huh. Equal pieces, and it will produce this size. Yeah. At this size, I will split it again. Okay. So to obtain this part here, okay? At that moment, I will use this. It's a marker, okay? A marker, it's just an instrument to have a standardized thickness of my shingles. I want 3/8 of an inch. So 3/8 of an inch for each shingle that I'm gonna make. So I will mark it on my wood and it will create lines. So all parallel lines, 3/8 of an inch. So after that, I will take back my frow and split it again until I get boards. And boards are like the piece that I have here. And this thing pivot there. So we call it a horse trestle. So the horse trestle works like this. I put my planks underneath and I will put pressure on that board underneath. And it will transfer all the force here, so my plank doesn't move at all. So with my draw knife, I will remove until I get to 1/8 of an inch. So I go. So I can produce about 100 per day, and if everything is fine, and because I cutting my wood in the fall. In the fall and I start in winter and I do it all winter long. Because in the summertime I don't have time. I'm a farmer. So as a farmer I have to look after my field, feed the animals and go fishing. We fish herring so we can salt the fish in barrels so we can have it for all winter long. Yes. So I produce my shingles in the winter time. Thank you. Bye bye. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, oui. On a tout premier d'affaires. Ah oui, oui, oui. Tellement à l'unité.
vous êtes bonne. Merci beaucoup. Le monde parle tout français? Oui. Tout le monde, les Acadiens? Tous les Acadiens parlent français. Surtout sur le village, là, les gens parlent beaucoup français. Il y avait beaucoup d'anglais comme moi. Là, moi, mes grands-parents venaient de Burnsville. Burnsville, c'est un petit village, là, l'autre bord de Grand-Anse. Si quand on dépassait Burnsville, comme à peut-être 10 minutes en auto, on tombait dans la région des Anglais. Tout ce qui était canabé sur le bord des caps de l'eau, tout était anglais jusqu'à Bathurst. Puis nous autres, on était comme... Nous autres, jusqu'en situé ici, c'est français, mais on est entouré tout autour, c'est plein d'anglais, là. Bathurst, c'est anglais? Anglais, oui. Mm-hmm. Anglais. Moncton aussi, c'est anglais. OK. Est-ce que ici, c'est bien? Oui, ici, c'est français, c'est le fun, là. Tu dois parler anglais, français? Anglais, oui, mais sur de courts. Comme je suis plus française, ouais. Puis faire sûr que je disais les bonnes choses en anglais, là, parce que je m'écris un texte en français, puis je les traduis en anglais, faire sûr que les messieurs et les madames qui lisent en anglais, que je peux leur lire ça. Puis je leur dis, tu sais, je suis bien à l'aise de dire mon anglais pas bonne, je l'écris un texte, je vais vous lire, puis ils sont tous comme pas right, puis ils sont heureux, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le parle pas, puis qui est gêné, nous autres, c'est ça notre problème, c'est ça. C'est les Anglais rient tellement de nous autres quand on parle anglais qu'on vient gêner, devient maître postier. C'est ça qui est son rôle, c'est son métier. Il va le faire jusqu'à sa mort à 70 ans. Lui, de là, pendant 9 ans, lui, il va se faire des amis. Il va acheter certains articles. Puis en 1889, il va décider d'aider ses voisins puis de créer un magasin général. Vu que c'est très, très bon. At that time, you will never see the women here. Oh, yeah. That was the best place for men.
No women that was bad seen by the church at that time. And this building, she is original from Caracas, she is from 1875, but became taverns in 1880. When I said tavern 1880, that at that time they need the license to operate. This means the government was already in, and the stuff they were selling here, that was all imported. And the owner of this tavern, that was Mr. Louis Poirier. And the stuff that what they were selling here, that was all imported, brandy, whiskey from St. Pierre and Miquelon, from Holland, Jamaica, and from around. And all those kinds of those kinds was coming by boat, and that was different, the rate of 50 gallons. Yeah. And all the bottles that you see behind the bar, they are all original. And they are, that is a research from the village Acadien, and they are coming from different part of Canada. Mm-hmm. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Take care. Have a good visit, my friend. Bye-bye. Mm-hmm. Hello. Have a nice day. I do. Thank you.
On va aller premier en premier, après ça, on va essayer de le faire. Mais c'est quand même précis pareil, vous ne pas. Ça date de 1873. Ah ouais, c'était 1873. C'était l'équipement. Oui, je les ai vus, ma chaîne, mais je m'a vu fonctionner. Okay. Pour ça, les gars, ils ont montré comme fonctionner. C'est vraiment fiable. Bon, ça pèse 1600. Mais les platines, ne pas encore pareil. J'en ai une comme c'est jeune. Il y en a une petite que ça peut être. Ah non, mais je suis pas supposé. C'est pas beau, celui-là. Ah, bah oui. Je m'en fais du bac, là. OK. Mais c'est ça, vous pouvez travailler avec les mais c'est un groupe en fait du Dicot, du collage, des choses comme ça. Ben, j'ai pas connu l'époque du lettrage. Okay. Mon chum, lui, il était un peu plus vieux que moi. Lui, il travaillait comme dans les collèges. Okay. Au début, les lettres, c'est tout du plan. Puis, il montrait aux élèves. Okay. Donc, lui, il travaillait un petit peu avec. Celui, c'est une médecin Rémi. Quand il a dit, le journal est bon sauf trois fois. Il a revu trois fois. C'était passionné. Lui, ce qu'il voulait, il aime que l'être. Il voulait tout rejoindre les colonies américaines. Il est vraiment, il a pu avoir. Il nous a informé de ce qui se passe. Il fait ça tout seul. C'est un ouvrage. Ah! Bon, de 16 heures d'ouvrage, monte une page. Ah oui, puis tout, c'est tout du texte en arabe. C'est ça. Pas dire en arabe, c'est ça. Pour l'instant. Il y a ce genre de choses quand même. C'est ça. Lui, là, M. Lejeune, il voulait de l'éclairage quand il sabote. C'est pourquoi qu'on a tous nos murs blancs. On a fait du crépi pour mettre sur nos murs. Du crépi, ça, c'est un mélange de chaud d'eau et puis de sable. On a fait une pâte avec ça. On a laté les murs. Excusez-moi. J'ai une démangeaison dans la gorge. Et j'ai de l'eau. C'est un mélange de sable, d'eau et de chaud. On a fait une vase en une sur celle des lacs. C'est juste qu'elle fait ça à l'isole. Ça faisait une petite isolation. En même temps, ça faisait un exercice à cause de la chouchou. On avait une chipote. On n'a qu'à faire ça du plan sur là. Puis en arrière-là, c'est la belle qui est en train de la nourriture. Je suis venu vous parler dans la maison parce que nous avons la pièce. Lui, mon père, il date de 1853. On l'appelle le New Brunswickers. Il a été fait à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, par une famille là-bas. Là. Puis c'est un trois ponts. Puis à l'époque, là, on aurait payé 10 piastres pour elle. Ce qui équivalait à un quart du salaire minimum de M. Lejeune. Sur mon poêle, là, sur mon premier pont, ici, c'est là que je mets mon bois. Sur mon deuxième pont, je m'en fous pour faire fuir mes viandes. Puis moi, troisième fois, j'ai mon four à pain et à mousseur. Ce qui est très pratique. J'ai des portes des deux côtés. Pour si j'aurais des galettes avec un pain, je pourrais sortir que ce qui est cuit en premier sans déranger l'autre. C'est vraiment une nécessité pour Mme Lejeune.
c'était pour empêcher, pour éviter que l'eau gèle et tout. Je vais mettre mon puits à l'intérieur de mon champ. J'avais cette idée-là de creuser. Mais c'est facile de faire un puits comme ça. C'est facile de faire un puits comme ça. Parce qu'à part, ça va geler. Tandis que ça, ça gêne pas. Dans la façon qu'il est fait, c'est génial, mais franchement, je trouve. Peut-être que j'y ai pensé moi-même, je trouve ça génial. Là, c'est vrai qu'on dit qu'on a encore plus intelligent. Mais je me disais comment ça se fait que j'ai jamais vu. Mais je suis pas sûr, c'est plus à madame de répondre ça. Elle est partie au magasin général dessus. D'accord. Ok, ben merci pour les infos. Merci. La peinture, c'est original. Parce que c'est assez inhabituel. Tu as une partie de la peinture qui est originale, mais là, je n'en ai pas quelle partie qui est originale. C'est une partie de la peinture qui est Hello. So you had the Reardon family flour mill in the Reardon family. Ah. Uh-huh. And what is it? It's a flour mill. Flour mill. Yeah. That's what make it special in a way because it's all automated. You got no
no handling between step. You put the grain there. Uh-huh. The grain goes to the base of that elevator cup. And those elevators will bring the grain upstairs to the strainer or to the crushing rotors. Uh-huh. And once the grain is in the bin, it's on the system, and the system, the flour will end up on those bags. No handling between steps. It's all automated. Ah, that's great. Les roues à eau, c'est une turbine hydraulique de 35 forces, mais c'est ça, là. Alimentée par le plan d'eau qui est là. Il y a une rivière qui alimente le plan d'eau. On peut parler seulement pour faire bouger la vanne. Thank you. Okay. Is this your first visit in the village? Yeah. Okay. Yeah. Well, this little schoolhouse was built in 1869. Uh-huh. And at that time, all New Brunswick schools were still under the British rules. So that means that we had to teach French and Catholic religion secretly from them. Because they wanted us to teach only English. And they don't want to hear anything about French and Catholicism. So whenever the school inspector is not around, we were doing what we had to do to preserve our roots. Okay. And before 1941, there's no law that can force a father to send his kids to school. So before that, meaning that the richer one will send their kids. But the farmers, the fishermen, they keep their kids at home because they need them for the survival of the family. And they need those kids to learn how to survive too. So school was not an option for them. And it's from grade one until grade eight, all in the same classroom. When you're done with your grade eight, you ask for what they used to call a local license. And with that, well, you become a school teacher as well. That's great. Yes, yeah, so that's you. About the way it was. Thank you. You're welcome. Ça fait mal à l'épaule. Il est tombé avec la balançoire. Et c'est promis. Il est en train de vraiment tomber. Il a changé, là. Du coup, quand il s'est levé, il a terminé. Il a dit, ça me fait tellement mal.
C'est ça qui est le plus important dans la maison. On avait un bon lit, beggar's bench. On appelle ça en anglais the beggar's bench. Puis on peut aller le paillasse, puis une couverte. Ça fait pour coucher 4 petits-enfants, to sleep 4 people, petits-enfants. Puis aussi, ils pouvaient l'utiliser comme un parc. Oui. OK. C'est quand tu es occupé au feu, hein. Elle pouvait prendre puis une chose. Ouais. C'était vraiment commode d'avoir le beggar's bench parce que le médium qui passait. Puis le quêteur, si tu voulais pas le voir, tu fermais quoi? Oui, t'as couché. Oui. On s'en veut mieux dans ta tête. Ouais. C'était comme un divan de futur. Hein? Sûrement, il va moderniser, je pense. Hein? C'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Oui, merci. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Hi. Hello. How are you? All is great, thank you. And you? I'm fine, thank you. Welcome to the Babineau family home. Thank you. It's dated 1855. And it comes from Bedecht, New Brunswick. That's going towards Richibouctou village, going up towards in the south of the province, going up towards Moncton. So this would come in its original. And it's 1855. And it was built by Mr. Jean Babineau at the age of 50. It was his first home that we know that he built. He had 10 children, and with 10 children, his oldest were about able to build this home with him. And the only three person that came to live in this house, because he was widowed. His wife had passed 4 years previous of him building this home. So one of his daughters, that unmarried daughter, stayed and took care of the younger siblings. And she would raise them while he would do the farming. So this is, and that's the beggar's bench. I don't know if you had the chance to see it. Yeah. But that's the beggar's bench. So the past buyers would come in the village and Mr. Babineau would offer them hospitality and a food and a shelter for the night for the passing by. Mm-hmm. Yes. Bonjour. 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 Alors, on n'utilisait pas encore le mot, c'était juste le grenier. Mais il mettait le bois, les pioches, le pétard, la farine dans les compagnies. Donc, il y a pas s'il y avait pas d'humidité, là, la farine dans les compagnies. On avait la pelleterie. C'est une pelleterie, si vous avez ramassé tout les verres. Une pelleterie. And we have a cod lamp with oil lamp. That lamp is on the wall over here. That was a cod lamp. Une lampe à huile à morue. And they could use whale oil or cod oil. And you could hardly see them in the houses. On les voit pas souvent. Yeah, that's an oil. C'est une huile à lampe de morue. Morue. Ah oui. Oui, on peut utiliser l'huile de la baleine aussi, si on veut. Ah oui. Oui. Elle est spéciale, il y a beaucoup. C'est beaucoup. Beaucoup d'espace. Ça, pour réchauffer la cacette, pour réchauffer la chute, pour réchauffer. Elle a la maison, c'est malheureux. Ah oui, il était vert.
Thank you, hello. Are you going there? Yeah, thank you. بالاخره برگشتیم نقطه سر خط. برگشتیم به در ورودی و یک برنامه دیگه از این 1200 کیلومتر های تا مونترال هم به پایان رسید. La chaîne de haut.